Amis Cancer, votre vie sentimentale pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Didi. Donc ici, pour la première quinzaine du mois de juin, amis Cancer, vous êtes pris la tête sur quelque chose. Avec ce cavalier d'épée, on est à fond dans le mental. Ici, on est peut-être en train d'essayer de se refuser, de reconnaître des sentiments pour quelqu'un. Des sentiments d'amour. Avec la carte de l'amitié, on est sur le 2 de coupe. Hein. Alors, au niveau sentimental, ben, on se prend la tête. Est-ce que vous hésitez entre amour et amitié? Ici, il y a quelque chose qui vous stresse. Hein. Il y a quelque chose qui doit changer. Donc, j'ai l'impression, amis Cancer, ascendant Cancer, Lune ou Vénus en Cancer, que ceux qui sont concernés par ce message sont potentiellement amoureux de quelqu'un qu'ils ne se sont pas autorisés à aimer. Ici, on a ce roi de l'abondance et cette personne qui se retient. Hein, je ne comprends pas qui je suis. Ou je suis un lion au milieu des moutons. Je n'ai pas de patience. Je ne comprends pas pourquoi ces gens attendent. Alors ici, ça nous parle peut-être d'un lion ou de la force ou de comprendre quels sont les besoins que vous avez besoin. Quels sont les besoins que vous avez besoin de satisfaire. Ici, la carte de l'aventure, on voit qu'il y a un manque de confiance. Il y a eu une déclaration qui n'a pas été faite. Et du coup, on a l'impression de se lancer à l'aventure. Mais on va donner une chance, on va tenter quelque chose. J'ai l'impression que c'est comme si on essaye de donner une chance, mais on est épuisé. Avec ce 9 de bâton, en fait, j'ai envie d'y aller, mais je me protège. J'ai envie d'y aller, mais je ne veux pas y aller. Il y a quelque chose que je réprime à fond ici. Ici, j'ai des cancers qui luttent contre leurs sentiments. Ici, vous pouvez être avec quelqu'un dans une relation qui vous stresse ou avoir dépassé un cap d'épuisement. Avec le courage. Et ici, c'est la carte de la force. Donc, effectivement, on peut avoir du lion, on peut avoir des gens qui sont nés au mois d'août, donc potentiellement des vierges aussi. Mais ici, moi, j'ai l'impression qu'on a fantasmé l'autre. Et que du coup, on patiente après quelque chose... qu'on s'est imaginé en fait. Et ici on vous dit avec au-delà des illusions, il y a peut-être quelque chose à comprendre, que vous vous êtes mis dans un état d'insatisfaction de vos besoins. Et ici il y a des compréhensions que vous avez vous-même empêché votre épanouissement. Peut-être parce que vous vous êtes projeté avec la mauvaise personne, alors on va tout de suite mettre quelque chose sur l'isolation. Mais moi j'ai l'impression qu'ici vous ne faites plus la fête. Ou alors, vous ne voulez plus être en triangulaire, vous ne voulez plus partager votre énergie avec quelqu'un qui vous trompe ou qui triche. Et ici, j'ai aussi potentiellement quelqu'un qui s'est senti exclu d'une relation parce qu'on était encore attaché à son passé. Alors ici, il y a le stress à faire péter et à guérir. Pour moi, ami Cancer, ce tirage, oh là là, il faut sortir du rêve, hein, il faut y aller, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, soit vous rêvez à quelqu'un, mais vous rêvez à quelqu'un, mais vous ne passez pas à l'action. L'instant présent, step by step. Allô, c'est ce qu'on vous dit. C'est important, hein. Allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Sortez de cette prise de tête, amour ou amitié. Ou peut-être ici, vous avez fait une déclaration d'amour à quelqu'un qui vous a dit « Non, moi, je ne suis pas intéressée. On avait dit qu'on était amis. » J'ai peut-être quelqu'un qui est papa ici, où il y a peut-être des prises de tête par rapport à des responsabilités parentales. Ici, on n'a peut-être pas voulu que le père de notre enfant sache que nous avions une nouvelle relation. Ici, vous avez peut-être eu un coup de foudre, hein, avec quelqu'un d'autre. Il y a une séparation ici, peut-être dans la triangulaire. On se sépare de quelqu'un dans une relation toxique. Ou alors ici, on est en train de se rejouer un truc pour se rendre compte que la relation était tox. Ici, c'est peut-être des femmes qui se rendent compte qu'elles n'ont pas pu compter sur leur père. Il y a pu avoir une addiction. Hein. On peut avoir une tendance à rechercher des gens qui sont toxiques parce que votre père était toxique. C'est ça que vous nettoyez, les filles. Et ici, bah, pour les garçons, c'est peut-être le fait d'arrêter d'être fidèle à un modèle infidèle. Hein? Ici, ben, peut-être que justement, vous avez une dépendance affective ou que vous vous rendez compte de ça et que vous avez confondu dépendance affective et loyauté, fidélité, intégrité. Ici, il y a des trucs... En fait, on vous dit, protégez-vous de cette méfiance. Il y a des gens qui ont dit du mal. Là. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est par rapport... Alors, secret. Il y avait quelque chose de chaud, donc qui devait rester caché. Par rapport à la relation toxique, il y a une crise. Par rapport...
Ouais. Ici, par rapport à l'addiction, je pense que vous avez reçu le message. Et ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous fait sentir que vous n'êtes pas seul sur l'affaire. Et du coup, vous avez tendance à mettre un glaçon, être froid comme un glaçon. Ici, j'ai l'impression que ça peut se terminer bien avec quelqu'un qui a peut-être l'air superficiel, à moins que vous ayez pensé ça. Ici, bah, peut-être on aimerait que ça se passe bien avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous vous assuriez que les sentiments soient réciproques. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu une relation toxique. Alors, je ne sais pas si c'est avec votre père ou avec le père, par exemple, de votre enfant. Et ici, on vous demande de sortir de là. Mais vraiment, hein, on vous demande de sortir de ces considérations parce qu'en fait, vous avez généré les problèmes que vous vivez à mes cancers au niveau amoureux. Bah parce que vous pensez comme vous pensez. C'est parce que vous avez cette forme de culpabilité par rapport à un engagement union. Donc ici, j'ai des cancers ascendant cancer, lune ou Vénus en cancer, qui ont pu tromper leur partenaire. Papa décidé. Mon Dieu, il y a quelque chose par rapport au père. Alors ici, vous ne voulez peut-être pas séparer le père de vos enfants de vos enfants, ami cancer, si vous êtes une femme. Se sentir à sa place. Résister, tenir bon. Donc là, ici, il y a des limites à mettre à quelqu'un. Maturité, sagesse, parler, discussion, trahison, infidélité. Donc là, on est vraiment sur ce lien toxique, etc. Donc voilà, il y a une discussion à avoir avec un papa. Donc je ne sais pas si c'est le papa de vos enfants, si c'est votre chum ou quoi. Sortir de ses illusions. Que les choses, par rapport à un couple, une union. Et regarder les choses en face. Donc ici, j'ai guidé et proposé et discussion profonde. Il y a des sorties amicales, il va falloir avancer. Vous êtes dans une phase un petit peu touchy de votre histoire. Je vais regarder si quelqu'un a quelque chose à vous dire, si vous êtes en non-communication. 1, 2, 3, je vais vous dire les messages 1, 2, 3. Alors, la première et le dos de deck, ce sera pour tout le monde. C'est l'état d'esprit. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Alors ici, 1, je n'arrive pas à t'oublier. 2, lucide sur nos situations respectives. Je t'aime, mais ne nous faisons plus de mal en continuant de nous voir. 3, je ne perçois pas qui tu es énergétiquement. Je suis dans la confusion, je me mens sur moi. Et ici, en dos de deck, j'ai « tu me manques » à un point que je n'aurais pas imaginé. Donc ici, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être famille, enfants, parents. On est vraiment autour de complétude, acceptation. On est vraiment autour de prendre en compte une situation. Et quelles que soient les modalités que vous aviez envisagées pour gérer votre couple ici, 4 de bâton, geste inlassable, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Donc là, vous avez, ami cancer, à sortir d'une impasse pour cette première quinzaine du mois de juin. Et ici, il va falloir être ferme pour que chacun se sente à sa place et que chacun soit remis en place. Bon courage, ami cancer, vous me direz dans vos commentaires. Merci pour vos pouces, pour vos likes. Bisous.